Bonjour à tous, c'est Thomas, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça concerne l'iPhone. Comme vous l'avez vu dans le titre, il arrive parfois que votre iPhone subisse des lenteurs, qu'il soit moins réactif qu'au départ, mais heureusement, j'ai pour vous pas moins de 10 méthodes pour le revigorer. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, il y a énormément de vidéos astuces de ce type. Maintenant que c'est fait, installez-vous confortablement. Et c'est parti! On va commencer tout de suite avec la première méthode qui consiste à supprimer toutes les données indésirables de votre iPhone. Pour ce faire, on va utiliser l'application Dr. Phone qui est très simple d'utilisation. Alors si tu ne connais pas, c'est un outil qui te permet d'effacer les données indésirables de ton iPhone. Il fait usage d'un algorithme de qualité pour régler tous ces problèmes. Il permet de sélectionner les fichiers à effacer. Vous pouvez l'utiliser avec n'importe quelle version d'iOS et l'interface est très facile à comprendre. Le lien pour le télécharger est en description. Une fois installé sur votre ordinateur, voici les étapes. Pour commencer et démarrer le processus, assurez-vous d'avoir installé et lancé Dr. Phone. Cliquez ensuite donc sur la fonction effaceur de données. Connectez votre téléphone, puis sélectionnez l'espace libre en bas. Dans le volet à gauche se trouve Libérer de l'espace. Cliquez dessus. Le logiciel analyse et affiche ensuite tous les fichiers indésirables trouvés. À gauche se trouvent les cases à cocher que vous devez marquer et à droite se trouve leur taille. Sélectionnez toutes les données dont vous n'aurez pas besoin et cliquez sur Nettoyer. Lorsque vous avez terminé, un message vous récapitule le nombre de stockages gagnés. Vous pouvez ensuite passer à la deuxième méthode qui consiste à effacer les gros fichiers. Toujours dans l'application, veuillez suivre les étapes suivantes. Cliquez dans « Effacer les gros fichiers ». Le programme va commencer à rechercher donc les gros fichiers. Et ensuite, les fichiers détectés seront affichés dans une liste. Ensuite, les fichiers vont apparaître à l'écran. Et ce sera à vous de sélectionner ce que vous souhaitez supprimer ou non. Plutôt efficace et très simple d'utilisation. Je vous conseille ensuite de quitter toutes les applications en cours d'exécution sur votre iPhone. Pour ce faire, c'est très simple. Si vous avez un iPhone 6 ou 7 avec encore le bouton, vous pouvez double-cliquer dessus, afficher donc toutes vos applications et là, vous swipez sur le haut pour les fermer. Si vous avez un iPhone plus récent, donc vous allez sur l'écran d'accueil, ensuite vous maintenez enfoncé vers le haut. Ici, vous allez avoir le sélecteur avec toutes les applications et là, même manip, vous swipez vers le haut pour fermer les applications. Simple, efficace et là aussi très rapide. Vous pouvez ensuite redémarrer votre iPhone. Comme pour nous, l'iPhone a besoin de se reposer, donc de temps en temps, pensez tout de même à l'éteindre et le redémarrer. Méthode numéro 5, on va regarder comment supprimer les données de Safari, puisque là aussi, ça peut jouer sur le ralentissement de votre iPhone. Donc allez dans votre iPhone, allez dans les paramètres et appuyez sur Safari. Ensuite, sélectionnez « Effacer historique et les données du site web » et enfin, appuyez sur l'onglet « Effacer historique et les données ». Vous pouvez aussi le faire avec notre logiciel Dr. Phone. La manipulation est la suivante. Alors, utilisez Dr. Phone. Assurez-vous donc que votre iPhone est connecté et sélectionnez l'onglet « Effacer les données privées » dans la colonne de gauche. Dans le panneau de droite, sélectionnez le type de données à analyser et cliquez sur l'option « Démarrer ». Lorsque la numération est terminée, les détails sont affichés. Vous pouvez maintenant effacer les données et c'est super efficace et facile avec le logiciel Dr. Phone. Vous pouvez également supprimer les données inutiles de votre iPhone avec le logiciel Dr. Phone. Première étape, dans la fenêtre « Effacer les données privées », sélectionnez les applications en les cochant dans la case. Cliquez sur « Démarrer » pour lancer le processus de numérisation. Sur la dernière fenêtre, cliquez sur « Effacer » pour effacer les applications et leurs données. Vous voyez, c'est rapide et efficace. Il est également recommandé de désactiver toute la partie de mise à jour automatique parce que là aussi, ça peut ralentir votre iPhone. Alors pour ce faire, allez dans vos paramètres, puis trouvez « App Store » et ici, désactivez tout simplement la mise à jour automatique. Toujours dans les menus de l'iPhone, pensez à désactiver l'actualisation de l'application en arrière-plan. Donc allez dans vos paramètres, puis général, sélectionnez actualisation de l'arrière-plan et désactivez-le. On reste encore dans les menus de l'iPhone et vous allez réduire la transparence. Allez donc dans le menu accessibilité, puis affichage et la taille du texte et cochez cette option.
Dernière méthode, et ici on va regarder comment restaurer les paramètres d'usine de votre iPhone. Allez dans Général, dans Réinitialiser et cliquez sur Réinitialiser tous les paramètres. Tout simplement. Sinon, c'est une option que vous pouvez également faire avec notre application Dr Phone. Cliquez sur Effacer toutes les données et notre logiciel s'occupera du reste. La vidéo est déjà terminée. J'espère qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus, ça nous fera plaisir. Dites-nous en commentaire si vous avez rencontré des difficultés, on vous répondra avec un grand plaisir. Et enfin, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je compte sur vous pour vous abonner. On se donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. Sur ce, prenez soin de vous et à la prochaine. Allez, salut !